J'ai l'impression d'être né avec le RMI. Moi, j'aurai pas de retraite, j'aurai rien, quoi. Donc, soit à un moment, je fais un gros coup. Mais bon. Non, mais je me vois pas ici. Alors, par contre, là, non, je me vois pas ici à 70 ans. Là, ça serait vraiment. J'aurais vraiment l'impression d'être en croûté, quoi. Et tu donnes des cours ici? Ça m'arrive, ouais. Bon, en fait, le jazz, c'est devenu. Enfin, ça a toujours été un peu le cas, mais. C'est un peu une musique de crève la faim, quoi. Je m'en sors pas. Difficilement. 15 ans de RMI. Puis, pour être intermittent du spectacle au moment du jazz, faut se lever de bonne heure, quoi. Donc, l'idée, c'est de monter un groupe de rock, musique plus commerciale. Là, j'ai rencontré deux musiciens dans une soirée avec qui on a fait un bœuf, ça s'est plutôt bien passé. Si je reste ici cet été, je vais m'en croûter pendant 2 mois. Donc, je vais leur proposer de partir d'ici 15 jours faire une tournée en France. On créera les morceaux sur place, on se débrouillera. Et puis, si tout se passe bien, on revient à la rentrée, on enregistre un album. Toi, t'es dispo de quand à quand? Bah là, je rentre, je te dis après le week-end du 14 juillet, donc je sais pas, lundi 19, un truc comme ça. Ah. Hey! Tu t'es réveillé dans le métro. Je me suis levé à 9h. C'est bon. C'est ouais, non, mais parce que jouer dans la rue, à 3, tu gagnes 15 euros de l'heure, quoi. Et si on peut dormir dans un camion, mais au bout de 3 jours, il n'y a plus personne. Hein. L'idée, c'est je l'achète, mais moi, je peux pas le mettre à mon nom. Oui. Parce que j'ai des amendes sur mes impayés et que je pourrais pas le revendre. Il sera gagé. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai jeté mon dernier véhicule. Thank you.